dans la petite maison où j'ai écrit 12 chansons de mon album. Et où je suis venue en janvier 2018 purger ma peine de prison. Non, c'est pas vrai. Quand j'ai sorti mon premier album, on s'est dit avec ma manageuse Isabelle que ce serait cool de prendre genre un temps en janvier, j'avais un peu de temps en janvier, pour pouvoir justement me poser pour écrire des chansons et tout. Et du coup, on a cherché un lieu et mon ingé son, Freddy, il m'a parlé de cet endroit et il m'a dit « Ouais, tu devrais leur demander où tu viens pendant 2 semaines et t'as une maison, t'es autonome. » Donc c'était cette maison-là. Je suis vraiment restée 2 semaines du lundi au lundi, il me semble. Là, ici, en haut, je lisais des livres parce qu'il y a une petite mezzanine avec poutre, cafetière italienne, la base. Ça, c'est le cidre qu'on a bu hier avec Hugo. J'ai beaucoup fait pipi. Si j'avais pas dormi parce que j'étais seule, d'ailleurs, ça me faisait un peu peur cette chambre. Je me disais, qui est dans cette chambre? Ah, bah, c'est à moi ça. Mais non. Je l'ai oublié en janvier 2018 et il est toujours là. Je vais le récupérer. Et je m'endormais aussi, c'est assez confortable, il faut dire. Et là, il y a cette petite porte secrète où je me disais qu'il y avait peut-être des genres de lutins qui vivaient. Et en fait, j'étais en rupture, donc enfin, je l'avais déjà rompu, mais j'étais dans un état psychologique assez dark, hein, si on peut dire. J'étais toute seule, j'étais face à mon truc, fallait que je réfléchisse. Je pouvais pas, enfin, il n'y a pas vraiment de réseau ni de wifi ici, donc je pouvais pas tellement faire autre chose que lire des livres et écrire des chansons, réfléchir, écrire des textes. Je pense que j'ai pas mal pleuré quand même, globalement. Dans les moments où je suis pas bien, j'ai pas forcément besoin d'être avec des gens. Et du coup, d'être toute seule, bah, je pouvais juste vivre mon truc sans que personne me juge. Et j'étais dans un moment unique que je revivrai jamais, parce qu'une rupture, tu la vis avec quelqu'un, mais après tu la revis jamais pareil, enfin, que ce soit quelqu'un d'autre ou la même personne. C'est un moment, t'as un âge précis, t'en es à un certain niveau de conscience dans ta tête, l'autre personne elle a ses réactions, toi t'as tes réactions, et du coup ça crée des chansons et des émotions qui sont complètement uniques. Et le refrain, c'était pas le même non plus. En fait, j'avais tout enregistré au propre à la fin de la session. Dans la chapelle, parce que ça sonnait hyper bien. Donc venez, je vais vous montrer tout ça. Pas Farah encore. J'ai crié. Il y a quelques trucs que j'ai samplés sur mon album. Il y a un message vocal de ma mamie. Pierre,
Merci beaucoup de ton message. J'ai lu ce matin. Et puis j'espère que ça se passe bien. Puis tu te prépares pour le concert. Je crois que tu vas à Bordeaux d'abord. Il me semble, je sais pas quelle date. Merci bien et bon courage, travaille bien. Et bonne chance. Je t'embrasse. Bisous. Maman. À la Sylvie mais à l'oral. Tout ça, ça sonnait 100% juste, alors qu'avant, dans la musique que je faisais avant ou qu'on m'en posait, c'était pas tout le temps 100% juste. Sur le premier album, j'avais composé et écrit seulement genre 4 titres, 4-5 titres sur 13. Je me laissais vachement guider, j'avais besoin de ça et je savais pas forcément là où... J'avais pas assez confiance pour savoir là où je voulais aller sur le premier. Le problème quand on est une meuf de 18-19 ans qui a besoin de conseils, c'est que l'équilibre, je pense, des gens qui donnent des conseils et de mon intégrité, il est compliqué à respecter. Pour sortir de ça, il fallait que je pète un câble et péter un câble, ça voulait juste dire m'affirmer et faire ce que je voulais et gueuler un peu et dire bah voilà, moi maintenant, je fais ça, je vais faire de la musique comme ça. D'habitude, je suis là genre... Ok, super idée, moi je donne aucune idée et je me laisse porter par les idées des autres et quand j'ai une idée, j'ai pas confiance, là, je suis allée au-delà de ça et j'avais besoin de ça pour que l'album il me ressemble et que ce soit exploitable parce que ça me ressemble en fait. D'aller chercher au fond de moi en me disant mais qu'est-ce que tu veux faire en fait comme musique, c'est quoi les arrangements que tu veux faire. Du coup, album de la Simone, je l'ai contacté, je lui ai dit voilà je veux faire un deuxième album, voici mon premier album. Voici ce que je veux pas faire dans le premier album, voici ce que je veux garder du premier album et on y va quoi. Et genre il a tout de suite été motivé, il m'a tout de suite dit qu'il aimait beaucoup mes chansons et je pense que ça m'a donné confiance parce que quelqu'un m'encourage à écrire et me dise de continuer à écrire dans cette voie là, ça me donnait confiance. Ouais. Ou alors je complète ce que tu fais. Hey ! Parce que par contre si tu voulais... Ouais, c'est clair, si par exemple tu veux le doubler exactement à notre prête. Comment ça? François, t'as une petite idée? Super poulette. Super. Aussi, t'es une super poulette. Super poulette. Dind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 
si tu voulais me voir, moi je préfère le noir. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir. Des failles, des failles, des failles. Je vois mon corps partout, je le compare surtout. Et tu vas pas me croire, j'ai fait le même cauchemar. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir. Des failles, des failles. Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Je ne vais pas sortir,